Yo l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser ou, pas oublier abonner avec Mombad Media nan, et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Mais nous va pas perdre du temps. N'a commencé. Cool, yeah. Dans la quatrième édition, journée économie ça, participants ont brassé l'idée sous nécessité pour bon gens disposition prend. Pour remembrer environnement grâce à ça relé yon économie verte. Ça veut dire une économie qui respecte environnement, qui répond à besoin pour conserver ressources naturelles yo et qui limite toute action qui dégrade environnement pour bien-être toute population. Secrétaire général Primature Jude-Charles Faustin explique c'est un engagement qui concerne l'État en premier lieu. Objectif journée ça, c'est pour faire tout le monde prendre conscience. Question environnement, c'est une urgence liée dans le pays. Et puis pour ces autorités concernées, bah j'arrête et puis pour bon jambes action pour Pita Bavin Pitris. Ministre environnement, Abner Septembre, cité gros défi acteur politique qui doit faire face dans le cadre de bataille gouvernement a mené pour respecter l'approche économie verte là en Haïti. Malgré plusieurs efforts, il dit qu'il fait déjà dans affaires environnement. Et à travers calcul nous fait, nous est possible pour nous améliorer pour faire boiser le pays d'Haïti à 70%, pour nous ramener à 70% dans 15 ans. Mais si nous arrivons capables de planter 10 millions de pieds bois chaque année dans le département, dans le pays, 10 départements, 8 millions par département. Et grâce à des mesures pour que nous fassions que bois ça ait réussi. Nous connaissons Cabrite, nous connaissons Jean Mounio Travaillé, nous connaissons besoin et bien aussi qui poussait au couper pied bois. Eh bien, il faut nous attaquer ça. Sur 500 germoplastes qui construisent dans le pays, 400 déjà fonctionné. C'est une étape qui franchit dans quatre batailles pour remembrer l'environnement. Président Jovenel Moïse mettait accent sous proposition de l'ITFR ministère de l'Éducation nationale pour introduire un module sur le reboisement dans le programme l'école. Pour bon modèle économique, côté ces zones de montagne qui étaient par les gens qui la ville, les gens qui dans l'autre gros pays manger. Et ces gens aujourd'hui à nous abandonner, nous oublier, nous ignorer. Nous traitons les gens qui vivent dans le monde de toute qualité. Et malheureusement, je dis, gros monde, gros savé dans le monde entier. Et ça, qui vivent en Haïti, c'est dans le monde pour nous tourner. Nous n'avons pas le choix. Depuis la campagne électorale, jusqu'à aujourd'hui, je toujours quoi c'est dans le monde pour nous tourner. C'est pour ça que je dis que reboisement, son matière pour le mettre dans le canet Timoun. Malheureusement, 4 ans après, Captain, ministre de l'Éducation nationale, là, Captain Bim, Captain Gadim, là, je crois que c'est justice que nous avons fait à Monio. Le jour où nous mettons dans le curriculum l'école, là, en matière pour le reboisement, et nous avons une note pour lui. L'antimoun, planter pied bois. Il n'y a pas sauvé, ça veut dire pour le faire zéro. Ça veut dire pour matière, ça fait le reboisement, ça ne fait pas passer l'école. C'est ça me demander. Et c'est lui qui te fait, peuple a te voté pour le président. Et c'est lui, Jodia, ministre de l'Éducation nationale là. Je connais que les mauvaises habitudes ont la vie dure. Résistance contre le changement sont pas difficiles. Mais on va m'aller. Je veux dire, dans le carnet immunité. Discussion pour journée 1 est centrée sur deux problématiques. Gouvernance environnementale et puis défi environnement dans les provinciaux. À travers série journée économie ça, le premier ministre Joseph Jout voulait orienter politique publique là sur une série points bien déterminés et puis récolter résultats sous petit, moyen à long terme. 23 bâtiments pour 690 appartements sur un total 72.27 m2. C'est quantité carré qu'a gain pour construire dans 4 projets ça. Déjà un travail terrassement qui commençait fait d'après le ministre Affaires sociales et travail là Nicole Yolette Altidor. Matériel ça y est pour permettre de passer dans la deuxième phase de construction. C'est des matériels qui sont au Mexique. Là, nous avons un jeu qui vient là dans 10
dans 10 caisses et qui va le bannir un moule et qui va le servir au fur et à mesure pour nous capables de faire maintenant fondation pour le béton, fondation. Il y a l'autre matériel qui a bien pour entrer dans le jour qui a venu pour élevation et pidal. Le ministre des Affaires sociales a souligné qu'il a fait tout le moyen possible pour respecter les délais 10 mois qui te baillent pour y construire Kaysayo qui a bien pour faire sous forme assemblage. Jusqu'à présent, malgré tout aléa, toute contrainte, nous dans le délai. Pendant que nous sommes avec une responsable chantier, donc qui montre nous, selon le calendrier que nous avons établi, n'a pas avancé très bien. Et nous souhaitons, nous espérons que nous continuions à respecter le calendrier pour que dans 10 mois, nous en fassions réalité. Nous ne pouvons pas venir ramasser nos matériaux, nous en face de buildings flambant tout neuf. Et qui pour maintenant accueillir 100 000 policiers avec policiers. C'est lundi 14 septembre 2021, sous patronage président de la République, Jovenel Moïse, Premier ministre Joseph Jout, ministre Affaires sociales et Travail, Nicole Yolette Altidor, et directeur entreprise publique promotion logement social, lancé officiellement projet construction logement moderne Sayo dans Richard Bonnier, Delma 33. Protocole accord ça a un objectif. Pour former jeunes qui sortent dans l'université l'État dans le domaine risque et désastre. L'ambassade suisse la félicité responsable université l'État avec l'autre instance qui travaille pour finaliser accord ça dans le bénéfice étudiants haïtiens. Je suis très content et j'ai écouté des échos importants de votre appui et de votre capacité justement de participer et d'apprendre et d'aller de l'avant dans toute la formation que vous avez pu faire ici. Et le travail de coopération qu'on a entamé avec l'Université d'État d'Haïti. Il s'agit justement de poser des bases qu'elles sont là. Donc c'était l'idée justement d'avoir à peu près 20 personnes professionnelles de haut niveau qui sont capables justement d'appuyer à l'intérieur de tous les acteurs qu'on a ici et les partenaires qu'on a ici, afin justement d'identifier des actions de réduction des risques liées justement aux aléas naturels. L'ambassade, bien sûr, remercie l'Université d'État d'Haïti, sans laquelle on ne sera pas là aujourd'hui, bien sûr, d'une coopération à long terme excellente, avec des réussites qu'on a faites, avec des étapes, peut-être certains les appellent des petits pas, mais c'est important, parce qu'avec des petits pas, on peut convaincre encore plus de personnes. Pour Richter Fritz des hommes, à cause ça a pral formé plus cadre dans le pays, Richter Université l'État a remercié le pays, la Suisse, pour accompagnement li toujours bay à population haïtienne nan, et puis montrer contentement li pour accord qui s'y est. Compte tenu de l'importance de la problématique du risque dans notre pays, une mobilisation de l'ensemble des institutions d'enseignement supérieur s'impose. Il est en fait question non seulement de comprendre la nature et la gravité des menaces, mais aussi d'anticiper et d'évaluer leurs impacts éventuels sur la vie sociale, de reconstituer la représentation sociale des risques et d'identifier les moyens à la fois individuels et collectifs de mitigation et de prévention. Vous l'aurez compris, l'UEA se félicite de ce nouveau partenariat avec l'ambassade de Suisse. Notre université partage tout à fait, Monsieur le chargé d'affaires, chers participants, votre volonté de pérenniser et d'étendre sur le terrain les actions déjà entreprises. Il s'agit de l'implication progressive des collectivités territoriales dans la gestion locale des risques et des désastres. Haïti, c'est un pays qui est plus vulnérable dans les Caraïbes face à des désastres naturels. Responsabilité quoi? À quoi ça pral permettre de plus cadres disponibles pour accompagner la population en gestion risque et désastre. Rencontre sur relance comité suivi chaîne pénale juridiction Port-au-Prince la fête sous difficulté tribunal là à traverser dernier jour ça yo. Doyen tribunal première instance Port-au-Prince là maître Bernard Saint-Ville expliquer c'est une situation qui pas normale mais justiciable pas passer devant juge naturel yo. Dans délai la loi prévoit pour ça. Maître Saint-Ville fait qu'on est objectif principal comité suivi chaîne pénale juridiction Port-au-Prince là, c'est identifier problème qui a empêché dossier tribunal là avancer. Nous identifier tout problème yo, seul obstacle qui gagne c'est arrêt de travail que représentant parquet yo.
et observer. Nous souhaitons le plus rapidement possible que l'arrêt de travail a levé pour être capable de reprendre. Parce que ça, nous avons décidé dans le comité de suivi de la chaîne pénale. Nous avons dit que nous sommes capables de lutter efficacement contre le phénomène de détention préventive prolongée par l'application stricte de la loi du 6 mai 1927. Loi, ça a dit, mon Dieu prend pour un délit. Ça veut dire le jour même des poudres, c'est pour ces verbales de flagrance ou qu'à mener le tribunal là. Nous qu'on fait déjà, nous qu'on applique là ça, et on applique lui, nous voyons qui résulte à ça. Bah, ça veut dire, la police a arrêté mon nom. Nous fait obligation à responsable commissariat, on l'a arrêté. Faut, il faut respecter de l'air 48 heures là. Voyez mon yo bail tribunal là avant midi, faire qu'elle même pour le traiter dossier yo. Mener mon dans le tribunal le même jour dans l'après-midi, nous mener mon dans le tribunal. Nous mettons permanence dans le niveau cabinet d'instruction, Jean Laloi dit, le parquet lui-même, en vertu du principe de l'opportunité de poursuivre la traité dossier, le jour même s'il mérite cabinet d'instruction, le royal cabinet, nous font, Jean, mettons permanence 2 à 3 juges chaque jour. Le consort senti système n'a pas marché Jean Laloi Mandel. Et le système n'a pas marché Jean Laloi Mandel, ou pas une situation quand on juge, blion monde dans la prison poussé, yon monde tout en cap. Marcher dans le bureau aujourd'hui là pour rappeler les liens obligations. Le dossier a le jour même saisi le cabinet d'instruction. Ça permet de là au moins de poser 3 actes d'instruction dans un jour. Côté le capable de faire interrogatoire de l'inculpé, il est capable d'auditionner victime là, s'il est là le même jour. On sait aussi qu'il a mérité confrontation, le juge d'instruction fait. Commissaire gouvernement AI Port-au-Prince, M. Ducamel Gabriel, souhaitait gagner un temps qui joigne en tacte dans l'idée pour justice, joindre justice. Parce que nous te prévoir que nous allons organiser assises criminelles pendant la fête de fin d'année. Hein? Et nous allons continuer avec l'audience correctionnelle sur la base de la loi du 6 mai 1927. Et, mais malheureusement, nous avons des gens bloqués. Donc nous avons souhaité que un terrain d'entente qui joigne entre Parc CEO et chef là. Ministre là, je pense que les gens pile leadership, les très compétents. Et pour nous voir comment la situation a débloqué. Et tout demander au commissaire gouvernement pour ta fonte rêve pour permettre que nous débloquions la situation. Responsable dans le Port-au-Prince dit, participation par le comité suivi chaîne pénale là, c'est continuer à accompagner à Kizeyo. J'ai la loi mandé ça. Et bah ouais, lui-même mission sacro-sainte, c'est défendre les veuves et les orphelins. Et ça fait nous dire, nous avons toujours une quantité d'avocats qui sont toujours disponibles, que ce soit nous qui fait commencer nos stages, que ce soit nous tous, avocats qui de carrière, mais dans leur esprit de défenseur de droits humains, ils ont toujours été disponibles pour être capables de participer à ce qu'on a et aider à la justice pour le marché et vivre une justice qui est juste. La police, juge de paix, barreau Port-au-Prince, DAP. OPC, Organisation Droit Monde, c'est ensemble acteur dans le système de justice là qui était présent dans la rencontre ça. Un système que nous voulons convertir en l'État serviteur. Un système que nous voulons mettre au service de la majorité. Donc nous mettons, il faut nous travailler pour que nous ne soyons pas assez faits pour vous ça. Directeur général et DH Chita là. Il faut expliquer comment tout courant ça va dans le pays pour 6 millions, 7 millions dollars. Il faut dire pour qui ça, Blackout là qui va pour 20 millions dollars. Pour elle, c'est fou, j'ai regardé sur ça. Pour elle, comme ça, combien de cas il m'a dit, combien de gros cas il a acheté dans le pays de manger, combien de gros bateaux il a acheté, gros yachts, belles bagailles, belles meubles, belles bijoux, l'argent peuple là. Bataille ça, pour mettre les liens dans le pays, c'est ce qui permet la génération qui vient. Tout petit monde qui joue dire, c'est qu'on a les lumières, les gens qui font patrouille, les fêtes décembre, les gros chefs qui viennent, les plusieurs gros villes dans le pays. Je dis, si monde ça commence à dormir les lumières, ils vont venir les lumières. L'État a dépensé 20 millions de dollars, il était dans le fait noir, il est venu dans le fait noir. Explication simple. Faut que le peuple connaisse pour qui ça. Si nous avons dominé le fait noir, il a pris le fait noir, et l'État a dépensé 20 millions de dollars. Faut que le pays d'Haïti comprenne pour qui ça. Dans le budget national, chaque année,
toujours gagner 240 millions de dollars qui dans le budget pour Blackout. Je dis à notre budget national, 240 millions de dollars, ça, à dépenser, comme ça doit, nous pour aller mieux. Ça, moi, je pense que, on petit fouillé, j'ai regardé, ILCC, la donne, pas à diriger. Ça, te arrangé, permettre aux générations qui viennent, comprendre qu'il y a des bagages à faire. Il faut payer pour nous. Parce que 20 millions de dollars, c'est 20 millions de dollars dans tout pays sur la terre. Je dis, avec 20 millions de dollars, si nous te disons de mettre dans l'éducation, une salle de classe construit 30 millions de dollars. Multiple divisé 20 millions par 30 millions. Ouais, chaque mois, quand une salle de classe pour tout le monde, ministre de l'Éducation nationale, l'AMBA, là. Mais il dit que le pays a besoin de 70 000 salles de classe pour nous faire off-scolaire, une réalité à une vérité. Tout le monde dans l'école gratis, tout le monde. Je n'en ai pas payé à 10. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de nous abonner avec la chaîne. Et toujours songez pour activer cette cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.